Bonjour, Yoann Chanlot, je suis né à Pointe-à-Pitre. J'ai eu une scolarité normale, collège Carnot, lycée Membridge. J'ai toujours été fan de publicité. J'ai toujours aimé regarder culture pub à la télé, les émissions sur le business, etc. Et donc c'est assez naturellement que pour mes études supérieures, je suis parti en France et que j'ai suivi un cursus commercial. Donc j'ai obtenu un DUT technique de commercialisation à Paris 13, une licence AES à Paris 8. Voilà. Et donc, après mes études, j'ai tenu à rentrer chez moi puisque je me sens vraiment chez moi en Guadeloupe. Mon projet professionnel et mon projet de vie étaient liés à la Guadeloupe. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Après mes études, je suis rentré en Guadeloupe. Malheureusement, un peu comme tout le monde, j'ai eu du mal à trouver du travail en rentrant. Donc, comme là aussi, je tenais à travailler, pas forcément à rester chez moi, donc j'ai occupé des petits boulots. Je me suis occupé d'enfants handicapés, j'ai été photographe événementiel, attaché de presse, j'ai vendu des vêtements, des téléphones portables, donc un peu de tout. Mais en fait, j'ai surtout profité de cette période-là pour travailler mon projet professionnel, travailler un projet d'entreprise. J'avais 24 ans, je n'avais pas beaucoup d'expérience, je n'avais pas de réseau derrière moi. Voilà, c'était une idée aussi novatrice, donc un nouveau concept à faire accepter aux professionnels de la Guadeloupe. Et pour couronner le tout, j'avais juste assez d'argent pour fonctionner pendant un mois. Et malgré tout, ça fait 8 ans que ça dure. Donc ça a quand même été une expérience très positive. Il nous arrive également régulièrement de soutenir des causes par le biais d'associations ou de campagnes que l'on soutient. Et donc ça aussi, c'est très important. Ça aussi, c'est très important pour nous. Donc pour moi, ce n'est pas un modèle de réussite parce que quelque part, réussir, ça veut dire qu'on a terminé.